Bon, donc notre vie merdique continue et on essaie de comprendre un peu tous ces mystérieux appels parce que je veux pas dire quand même, mais bon, ça ne nous a pas emmené que des bonnes choses. Hein. Je veux dire, notre copine est morte. On en a trouvé une grâce à ces appels, mais on l'a perdue par la suite. Donc bon, plus 1, moins 1 égale 0. Donc les suspects déclarent avoir été menacés de ordonné de tuer par message sur leur appel téléphonique attribué à un club sur la 86e rue au sud, lié à un réseau clandestin de la mafia russe. Nombreuses activités illégales signalées, pas assez de preuves pour lancer un mandat. Bon, c'est à peu près où aller. On a des indices sur qui cassait la gueule. Vengeance! Ça fait bien un titre des années 80. Ouais. Je suis parti. Oh putain. Il est bugué ce perso. En fait, je pense que j'étais tellement rapide qu'il a été choqué de ma rapidité. Il a été choqué. Oh putain, gars. Eux, ils n'ont pas été choqués de ma rapidité. Ouh. Tiens, pour la peine. Coucou. Tu veux ma bite? Je crois qu'il a pas envie de voir ma bite, hein. Il a explosé au Karcher. Je crois que je vais me faire tuer avec ces conneries. Chaud patate! Mes couilles. Oh. Le chauve va devenir chauve. D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça provient? Boum! Ça provient d'ici. J'ai vu le suspect. Et c'est lui qui m'a tué. Absolument personne. Super. Damn, damn, damn. Oh putain, je vais pas m'en sortir. C'était beau, c'était franchement beau cet enchaînement. Pum, 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 pum. Ouais, merde, putain, j'étais bien lancé là. Putain, les mecs, je suis en train de tourner une vidéo, me faites pas chier. Tiens, tiens. Oh merde! En fait, je savais que je serais mort de toute façon. J'ai même plus la peine d'essayer. D'accord, le chien il n'arrive pas derrière. Il se faufile. Hein. C'est même pas. Non, je te fonce, je te t'explose la gueule. Les barres de mes couilles. Oh non! Oh merde, j'ai pas vu le deuxième gars, putain de... Putain, putain. Non mais en fait j'ai vu des gars qui arrivent derrière, je me suis dit, oula, je vais avoir peut-être un peu trop de personnes à gérer maintenant. Allez, lève-toi, merde, reconnaissance. Ok. Oh. Voilà. Ah, bon, voilà, on peut dire que j'ai fait un putain de combo. Merde. Personne. Parfait alors. Là ça va être vraiment très chaud.
Non, 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 mais non, je voulais faire une blague là. Putain, je me suis déconcentré 2 secondes et c'est bon quoi. Non, mais je suis pas d'accord. Tiens. Non. Allez, hop, on y va. Hop, 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 hop. Encore? Non, c'est bon, tout le monde est rassasié là? Oh! Tiens, hop, on récupère. Tiens, hop. Cette efficacité? Ma gueule! Attends, on va prendre la carabine. Ça va faire mal. Ça va péter, ça va péter! Et ça a pété, effectivement. Ah, t'as de la chance, mon couillon. Putain, il y en a. Oh putain, il était derrière moi et je l'ai pas capté. Putain! D'accord, le mec il commence par d'histoire. Oyo, yo, d'histoire. Non, non, c'est pas français, mec. C'est même pas classe en fait, c'est juste nul. Prends ce que tu veux et pars. Écoute, je ne suis pas le propriétaire, il n'est pas là. Moi, je ne fais que m'occuper du club. Allez, restons civilisés. Ouais, restons civilisés, mec. Ok, ok. Je vais te donner son adresse, mais ne me fais pas de malin. Et là, sur la blablabla, si j'étais toi, j'irais maintenant. T'as de la chance, toi. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, il faut que je fasse passer un message. Faut que j'explique au propriétaire pourquoi c'est pas bien ce qu'il fait. En fait, je peux. C'est quoi ça? On dirait des papiers collés avec du scotch. Tiens. Allez, il m'écrase avec quoi? Attends, viens. On m'a donné l'impression qu'il y a eu un putain de combat. Pour ne pas donner l'impression que c'était un combat à l'aide déloyale. Voilà. Ça donnera vraiment une impression de bataille monstrueuse qui s'est défendue comme un. Je sais pas, comme un boss. Ouais, comme un patron au final. Et pas comme. Il s'est pas fait défoncer en étant à genoux alors que moi j'arrive. C'est moi, j'ai plus de munitions. Bon, voilà. Comme ça donne l'impression qu'il y a eu au moins 15 personnes qui sont venues. Ça va brouiller les pistes, tu vois. Non. Le fusil à pompe, merde. Hop, direct dans la voiture. Et c'est un goal! Tu es audace. De l'audace, j'en ai. Et l'audace est aussi grosse que mes couilles. Que mes burnes. Ça, c'est le genre de punchline des films d'années 80. Mon audace est aussi grosse que mes burnes. Ou alors, mon audace est aussi... T'as la même mesure que mes burnes. Boum! Alors, nouveau masque, Oscar. Nouvelle arme, étoile.